Chers téléspectateurs, bonjour, salutations à vous. J'ose croire que vous allez bien, n'est-ce pas? Moi, c'est José Bolo à l'international, reportant pour vous cet épisode. Juste une préoccupation, n'est-ce pas, qu'un de nos téléspectateurs m'a envoyé comme message, et puis il cherche un peu à trouver la solution. Sur ce, j'aimerais d'abord profiter pour vous dire un grand merci à vous qui nous faisait confiance, à tous les abonnés de Congo Dialogue, nos amis internautes de ce site de bonne manière, www.congodialogue.com, et un site qui est coordonné par la grande dame Francine Guembe de la Belgique, madame Francine Guembe de la Belgique, la grande dame et la patronne, la coordinatrice de ce site de bonne manière. Et merci encore de pouvoir s'abonner, de pouvoir donner votre aide, de pouvoir s'abonner massivement dans ces YouTube. Nous avons encore besoin de vous pour encore des réflexions, pour les informations, pour les réalités à temps réel. Voilà, si on ne peut pas encore faire, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Congo Dialogue, n'est-ce pas? YouTube, tapez seulement Congo Dialogue au coin là. Subscribe en anglais, abonnez-vous, c'est en français. Ok, je m'excuse. Voilà, il y a juste une préoccupation. Un de nos téléspectateurs m'a écrit, il dit, Boloa, il y a tant de choses qui se passent dans l'église du Seigneur. Dans l'église Nabiso, on parle de l'église Nabiso. Quand je dis l'église Nabiso, c'est le terme que nous, les Congolais, nous avons l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, l'église Nabiso. Voilà. L'église Nabiso, donc c'est une façon de dire la dénomination. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu, quand il a créé le monde et quand il a envoyé son Fils unique, et même Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il n'a pas laissé un nom d'une église, n'est-ce pas? Il a dit sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur ça. Ce n'est que nous les hommes, sous l'inspiration diverse, nous donnons les noms, l'armée de l'éternel, l'armée des victoires, sanctuarité des promesses, Alléluia Ministries, you know. Les noms là, ce sont nous les hommes qui donnons cela par rapport à l'inspiration que Dieu donne, la commission, s'il faut parler de la commission de l'église. En fait, il y a quand même une pratique qui se passe dans les domaines de mariage. Et je ne sais pas, la sœur se pose tant de questions. Non, c'est plutôt le frère se pose tant de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait qu'il puisse continuer à marier la sœur en question ou comment? L'histoire est comme ça. La sœur, bon, donnons le nom à la sœur X, n'est-ce pas? Tellement amoureuse du frère Y. N'est-ce pas? Je ne veux pas m'assurer, non, sinon ça pourrait tomber que ce soit votre nom. Et puis tu aurais à me dire que non, Bolois, tu as cité mon nom, est-ce que c'est vrai, c'est pas moi. Donc la sœur X, n'est-ce pas, amoureuse d'un frère. Et puis le frère s'est dit, bon, là j'ai avancé, je dois quand même, je suis prêt, n'est-ce pas, à pouvoir se marier, n'est-ce pas, je vais pouvoir se marier. Et bon, évoluant dans une église, un peu par après, il voit une sœur, n'est-ce pas, elle drague la sœur, il drague plutôt la sœur. Et puis le frère tombe amoureux de la sœur. Et puis la sœur aussi amoureuse du frère. Ils ont commencé à évoluer en tant que des copains, copines. Et puis par après, ils se sont dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de puisse aller voir des familles, n'est-ce pas? Et de puisse aller voir des familles, tu vois. Et après, à un moment donné, bon, de Bazalara, disons, Kokanga Lupango, s'il faut dire en ces termes-là. Bakangi Lupango, et puis bon, ils ont commencé à évoluer, s'étudiant mutuellement le comportement, ainsi de suite. Alors, il s'est avéré que le frère a fait un petit déplacement. Il a fait un petit déplacement, bien sûr qu'il travaillait. Il travaillait dans une société quand même bien de la place au niveau ici. Il travaillait, et puis à un moment donné, le frère dit que bon, je dois voyager parce qu'il y avait une mission de service. Ok? Le frère est parti dans une province donnée. Et dans une province, il a fait, je crois, 3, 4, 5 mois. Et 6e mois, le frère est revenu. Et bon, bien sûr, ils sont toujours en contact avec sa copine, hein. Ils ont sa fiancée, s'il faut parler, parce que le deux familles, bah, déjà, bah, koutani, bah, ben, bon, là, qui est le Cambon, et puis par après, je vais revenir, de façon qui est tout balana, tu vois. Mais ils étaient en contact, l'amour était là, tout était bon, cher ami internaute. Alors, le frère est allé, mission de service, 5 mois, 6e mois, le frère est revenu. Après un moment donné, bon. Un mois plus tard, le service encore demande que le frère rentre. Le frère rentre aussi. Mais dommage que ce que le frère faisait là-bas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. À un moment donné, le frère ne répondait pas au téléphone. Lorsque la soeur appelle, ou voicemail, à un moment donné. Cette fois-ci, le frère a fait 3 mois.
Alors, quatrième mois, vers le quatrième mois, la sœur commençait à s'inquiéter. Mais c'est pas la sœur s'inquiéter, elle se disait, mais mon frère, yo, comment, à un moment donné, elle a mis téléphone à moi, elle a mis téléphone voicemail. Bon, je sais quand même que c'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire, je dois quand même chercher qu'est-ce qui ne va pas. À un moment, lorsqu'il décroche le téléphone, et puis, ah, mais comment tu ne décroches pas? Et le frère dit non, non, il y a quand même des explications. Bon, la soeur comprenait, puis elle avait confiance à son fiancé, tu vois. Et après, bon, c'était un bon travail, hein, c'est un bon travail ici en Afrique du Sud, c'est vraiment un bon travail. Le frère est entraîné, bon, il envoyait l'argent, ça ne manquait pas, loyer, les petits besoins de la soeur, tout ça, et tout marchait. Mais cette, comment on dit ça en français, cette breaking, cette rupture de communication inquiétait vraiment la sœur. Tu vois? Alors après, à un moment donné, quatrième mois, le frère retournait. Il retournait, ils se disent, bon, et je suis rentré, photo ça, c'est la facture. Le frère a demandé la facture dans la famille, dans la belle famille, va payer ses factures, va fixer date. Va fixer date, après un moment, bon, dans quelques mois, disons dans quelques semaines, il y a un mariage. Kéi, Bakouten a deux familles. Et puis par après, Apesimbo Ngalibala. Ok? Apesimbo Ngalibala, comme un homme, comme plutôt tout autre, mais qui se respecte, cher ami internaute, c'est à Congo Dialogue. Et après, après, il faut maintenant fixer le mariage religieux, tu vois? Il faut fixer le mariage religieux. Alors, il s'est avéré que dans l'église, là où nos frères et nos sœurs évoluaient, le frère et la sœur évoluaient, bon, il y a quand même un principe, bien, un principe. Bien. Alors, ils ont quand même un système dans cette église-là. Il faudrait, selon le principe de l'église, la logique de l'église, vous ne pouvez pas aller dans le mariage, quoi ça, vous ne pouvez pas aller aux bénédictions ou à la bénédiction nuptiale sans pour autant passer au test. N'est-ce pas, sans pour autant passer le test et tout ça. Il faut qu'il y ait un report, un medical report ou le rapport médical pour savoir votre statut, si tu es en bon état ou comment est ta condition sanitaire, tout ça. Tu vois? Alors, c'est ça le principe. Alors, c'est avéré que alors, ils ont remis la facture, ainsi de suite. Bon, comme toute autre question qui se respecte, on ne peut pas encore vivre ensemble sans que nous puissions avoir quoi ça? À la bénédiction de l'église, tu vois. Alors, malgré que tout a été payé, ben, la sœur dit, bon, quoique amoureuse du frère, bon, les frères étaient un peu réticents là, les frères étaient réticents, et lorsqu'ils se sont renseignés, ils sont allés au comité de la famille à l'église pour dire que non, non, telle date nous projetons pour avoir notre mariage religieux. Alors maintenant, bon. L'église, le comité des familles disent, vous savez le principe, il faut que vous puissiez nous amener les rapports ou les reports médicaux, le rapport médical de votre statut, donc c'est-à-dire test à sida, pour ça test à sida, pour votre bien en fait, pour votre bien. Alors, bon, maintenant, ils sont rentrés ensemble, bon, Bavandi, dit, on m'y balait, moi, c'est le sœur X et puis le frère Y, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Le frère dit, non, non, moi je trouve que. Moi, je trouve qu'ils ont raison, l'Église a raison, on peut quand même passer les tests. Tu vois, ils ont quand même passé les tests. Alors, maintenant, la sœur dit, non, j'ai tellement entendu, tu vois, je trouve que ça ne m'arrange pas. Il faut qu'on se marie seulement. Le frère a dit, non, ma sœur, respectons la logique de l'Église, faisons les tests, et puis par après, nous allons recevoir... la bénédiction de l'église. Et ils sont allés même consulter l'aire de conseiller Esther Mabouaka pour lui dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas. Bon, la soeur Esther Mabouaka Banzola a dit non, non, Bolandaka n'église ici, non. Mais la soeur refusait. La soeur refusait. Bon, le frère. Il s'est dit non, moi je trouve qu'il faut que toi l'on amène à l'église, tu vois. Et puis bon, ça devient quand même une discussion. Et selon la soeur, il fallait qu'il puisse fixer la date dans 3 semaines. Et le frère a dit, bon, avec mon travail, je trouve que toi pousseras même dans 2 mois, de façon que nous puissions avoir le temps, n'est-ce pas, de faire quoi? D'avoir les résultats, ainsi de suite, tu vois. Et c'était comme ça. Bon, le frère est allé au boulot, comme d'habitude. Nicolas Poussin a raté, Nicolas Poussin. Alors,
Bon, la sœur insistait toujours. Tout ça, otherwise, sinon nous allons quitter l'église. Le frère dit, on ne peut pas quitter l'église. Ça fait un bout de temps que nous sommes ensemble et ça fait un bout de temps que nous sommes à l'église. Alors je trouve que c'est mieux que nous puissions suivre ce que le pastoral nous dit. Nous avons quand même besoin de ces tests-là, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Bon, la sœur a été un peu réticente sur ça, mais sous l'appui du frère, il dit non, on doit quand même le faire, c'est pour notre bien. Ça fait un bout de temps qu'on a vécu ensemble. Disons, on est parcouru un peu ensemble et je suis sûr qu'on s'est préservé. Hein? Donc, on s'est préservé. Donc, maintenant, on vit quand même, tout ça. Alors, bon, sous cette insistance, le frère refusait, plutôt la soeur refusait. La soeur refusait catégoriquement. Bon, pourquoi elle refusait, on ne sait pas. Alors, ils ont déjà fixé la date, ils ont fixé même booké les lieux du mariage, tout ça, ainsi de suite. Bon, ils sont revenus encore dans la conseil des familles pour balobak et notre commis prêt. Maintenant, le pasteur a dit, mais où est le report? Vous savez quand même que vous ne pouvez pas avoir on ne peut pas vous bénir sans pour autant amener le report médical, tu vois. Bon, tellement la soeur ne voulait pas. Il a insisté. Il dit, soit nous quittons l'église. Bon. Ça a créé un peu une confusion, des tensions dans la vie du frère. Bon, le frère aussi, comme il aimait sa soeur, la soeur, il dit, bon, tout ça a été bon. On doit quand même. L'église a dit, non, on ne va pas vous bénir. Et à la fin, la soeur a influencé le frère pour dire que non, nous quittons l'église. Le frère a écouté la voix de la sœur. Le frère Y a écouté la voix de la sœur X. Ils ont quitté l'église. Bon, comme la sœur se connaissait avec d'autres pasteurs, tout ça, les frères aussi se connaissaient avec d'autres pasteurs, parce que la sœur, vraiment, une sœur engagée, une sœur en Christ, elle chantait d'ailleurs, elle avait des occupations à l'église là-bas. Mais ils ont quitté, ils sont allés solliciter un autre pasteur. Ok? Non, pasteur, tout ça, mais ils n'ont pas dit la vérité que l'église a un système, il faut amener le test. Pour ça, il y a une raison, on dit que c'est bon. Après, il y a bon, le pasteur, là, le nouveau pasteur, sans pour autant être sage, a eu quand on est là, sœur, bon, t'as les pères, ah, j'ai poussani, bon. Ils ont organisé les jours, on les a bénis. En le bénissant, nous dénonce. Ok. Maintenant, le frère s'est dit, ah, ben, on est comme ça, mais pourquoi n'est pas, pourquoi il y a, ici, il faut quand même suivre, quoi, Obini. Cher ami, cher internaute, je vous dis, le frère a pris conscience, il s'est dit non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions un peu suivre ce que notre ancien pasteur disait? Ok? Et il s'est maintenant imposé comme étant un homme. Il s'est imposé comme un homme. Je vous signale, ça c'était après la bénédiction dans une autre église. Par force, le frère a pris la soeur dans un hôpital. Chers téléspectateurs, en arrivant à l'hôpital, ils ont fait le test. Vous savez qu'actuellement, les tests situés en Afrique du Sud, ici, c'est juste 15 minutes. 15 minutes d'ailleurs, c'est beaucoup. Moins de 10 minutes, vous avez le résultat. Sur les champs, ça les teste à Makila. Et les résultats, c'était positif. Positif côté de la sœur. La sœur est séropositif. Aucun alimenté, maman. Je vous dis, chers amis, téléspectateurs, notre frère, il nous a écrit pour nous dire qu'est-ce qu'il doit faire. Après toutes ces dépenses-là, après tous ces parcours-là, après tous les sacrifices qu'il a fait. Donc, voilà ce qu'il donne. Après tous les sacrifices que le frère a fait, le résultat est là. La sœur est zéro positif, le frère est négatif. Chers téléspectateurs, le frère
quoi il syncope. Les jambes sont venues, bah la moussie va s'opérer, bah maïwana télémi. Dis-moi un peu, maintenant la question que le frère se pose, bon, plutôt c'est membres des familles hein, qui disent que voilà la situation que le frère a reconnue. Comme vous savez, quand même, le taux de HIV est quand même élevé ici en Afrique du Sud, tu vois. C'est d'ailleurs l'une des raisons aussi, je ne sais pas si peut-être au Congo, si ça se passe ainsi, mais ici en Afrique du Sud, il y a quand même des églises comme ça. Tu vois, la sœur est atteinte du sida. Celle qui prétendrait comme étant Monsanto, qui restait à la maison, elle est séropositive. Maintenant, le frère et les amis de la, du frère ex, Y, posent la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il divorce? Qu'il répudie la femme? Qu'il fasse quoi? Que le mariage s'éteigne ou comment? Chers téléspectateurs, nous parlons cela parce qu'on n'a pas vécu ça. Mais quand je parlais à un ami de ce frère-là, ils se disent non, le frère est terrifié. Il est terrifié, il pose des questions, qu'est-ce qu'il doit faire? Chers enfants de Dieu, chers Congolais, diaspora que vous me suivez à ce temps ici, c'est une histoire vraie que je vous dis, voilà pourquoi j'ai tel nom. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager avec nos amis de Congo Dialogue de YouTube qui nous suivent à travers le monde entier, que ce soit la diaspora partout au Congo, partout qui sont branchés, connectés, nos amis africains qui peuvent nous suivre et comprendre le langage ou la langue que nous utilisons, la langue de Molière. Donc, la sœur est séropositive, elle est atteinte, mariée, pas même 3 mois, et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait le test ensemble. Le résultat a donné que la sœur est atteinte du sida. Qu'est-ce que le frère doit faire à ces temps ici? Est-ce qu'il doit répudier la femme? Est-ce qu'il doit divorcer? Est-ce qu'il doit chasser la femme? Est-ce qu'il doit regarder la femme comme étant sa femme? Parce que l'amour était là, tout était là. Et tu vois, tout le temps qu'il faisait le voyage là, la femme et la fille étaient là, la sœur était là. Comment la sœur a eu cette maladie-là du sida? Comment? Ça, on ne sait pas. Parce que la sœur ne sort pas. Apparemment, j'ai bien dit apparemment. Elle est toujours à la maison. Parce que c'est plutôt les maris qui sortent, qui vont au ministère des services, ainsi de suite. Il y a quand même de temps en temps, peut-être le téléphone ne passait pas. Tu vois? Mais c'est la sœur plutôt qui est séropositive. Mais le frère est négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chers téléspectateurs, le clavier est à votre côté. Et emailez-moi, josueboloa15@gmail.com. Mon WhatsApp numéro est là. Réfléchissons ensemble. Quelle est votre réaction? Ou si c'était ton frère, il te dit que Ndekonanga, tel que je suis là, ma femme là est atteinte du sida. Après tous ces parcours ici ensemble, nous sommes déjà mariés ensemble. Pas même 3 mois, n'est-ce pas? Pas même 3 mois. Maintenant, elle est atteinte du sida. Elle a eu ça où? On ne sait pas. Chers téléspectateurs, maman Francine de la Belgique, ce qui est vrai, c'est que le taux de HIV est tellement élevé en Afrique du Sud. C'est pas seulement en Afrique, mais presque dans l'ensemble de l'Afrique. N'est-ce pas? Ou bien sûr qu'avec le monde entier. Mais apparemment, le rate d'ici en Afrique du Sud est un peu élevé. Alors, ce que nous savons aussi est que le moyen de transmission de cette maladie, c'est pas le rapport sexuel. Mais comment la sœur a eu ça? Peut-être par le gilet où il y a quelqu'un qui est atteint, mais on ne sait pas, la sœur apparemment ne sort pas. Elle est toujours à la maison. Peut-être église, répétition, rentrer à la maison. Maintenant, qu'est-ce que le frère doit faire? Répudier la femme ou comment? C'est à vous les claviers, chers amis téléspectateurs, amis internautes de Congo Dialogue. Voilà un peu la préoccupation qu'un de nos téléspectateurs, qui nous suivait, Libolo, Memela Bisson, Wanakatia et Missionayo, que je puisse aussi recevoir les avis des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Qui nous suivent, n'est-ce pas? Peut-être certaines églises ne font pas cette pratique, ne vérifient pas, on va moins qu'à moi, c'est un bail, surtout ma mariage, je vais m'accroître, voilà un bon, on va se marier, on fixe la date, on book, la salle peut-être qui est chère, tout ça, et puis on ne vérifie pas peut-être le statut médical de nos fidèles. Chers enfants de Dieu, chers ministres, si c'est dans votre cas, un couple vient comme ça disant que ma femme est atteinte du sida, moi je suis séropositif, qu'est-ce que tu dois faire? N'est-ce pas aussi, c'est une interpellation pour certains hommes de Dieu, pour aider la jeunesse, pour aider les mariés, pour aider les ceux qui s'appellent à être dans le mariage, pour éviter de tels désastres. La balle est dans votre camp. Voilà un peu une préoccupation
que nos amis n'ont pas voulu garder ça à eux-mêmes. Ça pourrait être peut-être ton cas ou un ami que tu as connu et quelle a été sa solution. Tu peux aussi nous proposer une solution, une proposition, n'est-ce pas, pour que nous puissions être en mesure aussi d'amener cela, si ça pourrait réussir ou pas. Mais dis-moi, nous avons besoin de vos réactions, de vos commentaires, de vos suggestions, de vos directions, de vos conseils. Qu'est-ce que le frère X, plutôt le frère Y, doit faire à la sœur ou à la femme X qui est atteinte du sida après la bénédiction nuptiale, pas même 2 mois du mariage. À l'église où ils évoluent avant, longtemps, le pasteur voulait qu'ils amènent les rapports. La question, si je pourrais me poser ou nous poser, au cas où toi, serviteur de Dieu ou pasteur, tu reçois des fiancés, après avoir reçu peut-être les rapports médicaux, tu trouves que l'un des partenaires est atteint du sida ou a un cancer qui est au niveau élevé. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ta balle est dans notre camp. Ça pourrait être une situation un peu très compliquée, difficile. Mais je voudrais quand même vous écouter. Écrivez-moi, josebolois15 @gmail.com. Mon numéro WhatsApp est là. Mon Facebook, c'est Josué Boloa. Josué Boloa. Et inbox-moi un peu, nous allons discuter ensemble. Et nous essaierons aussi d'amener vos réactions à nos amis qui sont victimes à cette situation ici. Moi, c'est Josué Boloa. Je suis très content, très ravi d'être encore dans vos petits écrans. Merci pour vos unités, merci pour votre temps. Abonnez-vous massivement. S'il y a encore des préoccupations, des sujets que vous aimeriez que nous puissions parler de cela, trouvant la solution, mais écoutant aussi les commentaires des autres, vous êtes la bienvenue. Jusqu'à un prochain numéro, abonnez-vous encore une fois massivement. Invitez les amis à pouvoir s'abonner sur Congo Dialogue, le site de Bonne Marvière. C'est le plateforme, c'est un site des cultures générales, socioculturelles, qui développent, qui parlent et qui couvrent des réalités de la diaspora. Restez branchés, connectés jusqu'à un prochain numéro. Bye. Merci à Maman Francine Guémé. Merci à Prof Bellon. Prof Bellon, peut sa réponse. Non, Prof Bellon, il y a Claude Watt Campus, dans ce tribunal à Cape Town. J'ai dit aussi merci à couple Gift, ainsi que Maman Michou, Famille Blessing, Opération Blessing. Merci à vous. Merci à vous qui nous soutenez de près ou de loin. Merci à Aristote, merci à Patrick, merci au pasteur Samuel Luzingu aux États-Unis. Merci de pouvoir nous suivre. Merci à toi, Aristote, Naniva Paris. J'ai dit aussi grand merci à mon frère Blaise Olangi qui est à Paris. Merci pour vos conseils, merci pour vos encouragements. J'ai dit merci à Esther Mwenge, Naniva Danemark. Esther Mwenge. Au niveau à Danemark, hein, elle nous suit aussi. Merci à vous, merci pour vos commentaires. Et à vous aussi, les abonnés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à un prochain numéro. Bye.